avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons dans notre salle des fêtes en ce samedi 6 janvier 2024. Je vous remercie à tous de votre présence qui montre tout l'intérêt que vous portez à notre vie municipale. C'est encourageant et encore merci de vous être déplacés. Comme à chaque fois, je vais beaucoup remercier, mais c'est l'occasion ou jamais de le faire. Les vœux servent à cela, mais aussi pour parler de l'avenir. Donc, remercier les présents, donc Madame Bourrin et Monsieur Bousquet vont arriver, les présidents des différents syndicats, les présidents d'associations, les élus, les administratifs des différentes instances qui travaillent avec et pour nous, et vous tous, citoyens de haute force intérieure. Alors évidemment, je vais commencer par remercier les agents communaux qui sont les chevilles ouvrières de notre action. En priorité, le pôle administratif, avec Bernadette Carré, qui est notre secrétaire générale, qui a travaillé énorme pour notre commune. On peut la remercier chaleureusement. Elle va rougir certainement, mais ce n'est pas grave. Nathalie Courvenec, pour le secrétariat d'État civil, l'urbanisme, entre autres, et l'accueil. Alors, je crois que j'ai des bons retours par rapport à ça. Philippine Martin pour le musée, le patrimoine et l'activité touristique. Caroline Copingero pour la bibliothèque, on va en parler après. Et Caroline Le Camus pour l'entretien des bâtiments communaux, que je remercie, toutes, elles sont toutes présentes et je les remercie très chaleureusement pour cette présence. Et c'est une preuve de leur engagement et de leur professionnalisme aussi. Qui est un niveau très élevé. Ensuite, le service technique, avec 5 personnes actuellement, Jean-Marc Chapon, Jean-Luc Pauvergne, André Ponnet et André Bazenko, mais aussi Thomas Lassor, qui est en congé parental et qui revient vers nous au mois de février. Depuis le 1er novembre, nous avons accueilli dans le service Aldo Ramos, qui est paysagiste de formation et qui a travaillé dans différents endroits, en particulier au Jardin de l'Imaginaire à Terrasson. Nous comptons beaucoup sur lui pour les aménagements extérieurs et l'embellissement de nos bourgs et de nos villages. Vous avez peut-être remarqué la taille de la haie devant notre salle des fêtes. Alors vous ne les avez peut-être pas vu parce qu'il fait noir, mais passez-y voir à l'occasion, effectivement, ça fait un effet tout à fait magnifique. Alors je veux en profiter pour remercier le travail réalisé en général par le service technique, mais en particulier celui de cet été, qui a été fait par seulement 3 personnes, en raison d'absence ou de départ non prévu. Vous avez certainement remarqué aussi le nettoyage des trottoirs de Saint-Agnan qui ont mis propre tout le bourg, un travail dur, long, mais fait avec beaucoup d'énergie, indispensable eu égard à l'état dans lequel il était, il faut bien le dire. Donc merci à Jean-Luc en particulier pour son engagement. Je voudrais remercier aussi les adjoints qui m'entourent, et Odile Romérol, qui est ma première adjointe, que je remercie, qui fait tout son possible pour être le plus présent possible. Et c'est parce qu'elle a un travail aussi, donc voilà, donc elle est un peu occupée. Donc je la remercie très très sincèrement pour sa disponibilité et son engagement. Philippe Mousseau. Alors Philippe Mousseau, c'est la cheville ouvrière un petit peu de toutes les manifestations. C'est la cheville ouvrière du groupe scolaire. C'est la cheville ouvrière pour les associations, dès qu'il y a quelque chose, on appelle Philippe Mousseau. Et pour les bâtiments communaux aussi, on appelle Philippe Mousseau. Et il répond souvent, le plus souvent, avec beaucoup d'engagement. Sylvette Fort, qui est la troisième adjointe, à qui on doit ça en particulier, et d'autres choses, mais je vous le dirai après. Et enfin, Albert Poumont, qui s'occupe de tous les réseaux, qu'ils soient liquides, qu'ils soient électriques et qu'ils soient bétonnés, voire goudronnés. Voilà, donc c'est lui qui gère tout ça. Et ensuite, le conseil municipal, toujours dévoué. Donc je voulais nommer Thomas Belleil, je voulais nommer Nadine Binetruy, David Chabassier, David Contamine, Sébastien Decle, Aurélie Delacôte, Jennifer Essartier, Geneviève Fallot, Sophie Marie et Martine Pertuis. J'espère que je n'en ai pas oublié, mais je ne crois pas, parce que j'ai vérifié plusieurs fois. Donc merci à eux qui travaillent aussi à leur niveau. Bon, il y en a beaucoup qui, eux aussi, sont occupés dans leur vie professionnelle, donc ils ne peuvent pas être toujours présents, mais ils nous assistent, ils viennent aux réunions, ils approuvent, ou pas d'ailleurs, ils pourraient ne pas
nos projets ou nos décisions. Donc voilà. Mais ils sont toujours là pour nous conseiller. Ils portent bien leur nom de conseiller municipal. Je voulais aussi remercier toutes les associations qui animent notre commune. Ça crée un lien social entre les habitants, les visiteurs et les autres communes. Les animations sportives, culturelles, intellectuelles, festives, mémorielles sont nombreuses et elles sont appréciées. Nous essaierons de maintenir le niveau de nos aides en fonction de nos capacités, bien sûr. Alors, les aides, vous avez compris, ce sont les subventions, mais voilà. Et le travail des bénévoles, il est toujours très important et essentiel dans une commune. Et nous pouvons nous féliciter de les avoir et les féliciter pour leur activité totalement désintéressée. Merci à eux, c'est très important. Je voudrais remercier aussi le personnel soignant qui œuvre sur notre territoire, pour commencer le CIAS, dont le personnel sillonne toutes nos routes et qui sont un réconfort certain auprès des personnes âgées ou en difficulté. La maison de santé, devenue un lieu incontournable de notre commune, qui rassemble deux médecins depuis 2020, des infirmières, un cabinet d'infirmières, où elles sont six, je crois, un cabinet de kinés, puisqu'il y a un garçon aussi, ils sont six ou sept. Donc merci à eux, un sophrologue, un ostéopathe et des psychologues. Leur présence rassure la population et rend d'énormes services, bien évidemment. Enfin, la maison de retraite, Jacques-François d'Hautefort, EHPAD qui accueille avec beaucoup d'empathie et de sens du service une cinquantaine de résidents. Merci au personnel toujours engagé et à sa directrice que je remercie pour sa présence. Je ne sais pas où elle est. Mais elle est où? Ah oui, voilà, merci. Merci Honorine d'être présente, ça nous fait très plaisir que tu sois déplacée pour venir assister à cette cérémonie de vœux. Je voulais remercier aussi les différents syndicats qui gèrent certaines compétences pour notre population. Alors je voulais parler le syndicat mixte d'adduction en eau potable du Périgord-Est. Alors c'est un nom très compliqué, mais c'est un syndicat qui gère l'eau potable sur un grand territoire qui va de Salignac, vous voyez où c'est, qui va à Saint-Raphaël, c'est pas trop loin d'ici, on passe par Saint-Torse, par Terrasson, par Condat et Hautefort, bien sûr. Sa présidence est assurée par M. Jean Desmaisons qui est parmi nous et auquel je vais donner la parole. L'eau est un domaine important dont on ne parle pas assez. Des travaux importants se font tous les ans, il faut le souligner. Donc Jean, si tu... Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire de me donner la parole. Et c'est une occasion effectivement de parler du syndicat d'eau. Donc comme l'a dit Jean-Louis, donc, ce syndicat regroupe 37 communes. 37 communes qui vont, comme il a dit, de Salignac, Nadaillac, donc à la limite du Lot, jusqu'à Saint-Raphaël pour la partie la plus au nord. Ce syndicat donc est la fusion et le fruit de la fusion de trois syndicats, le syndicat d'Hautefort-Saint-Orse qui existait jusqu'en 2017, le syndicat de Condat et le syndicat du Causse de Terrasson. Et donc je préside cette structure depuis le 1er janvier 2017, puisque Jean-Louis qui présidait Hautefort-Saint-Orse et Serge Aymard, qui présidait le syndicat du COS de Terrasson, m'ont fait confiance et m'ont demandé de prendre la présidence de ce syndicat, ce que j'ai fait avec plaisir, puisque c'est un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, donc ce syndicat, c'est quelques chiffres, et je serai quand même rapide, c'est 1000 km de réseau, 1000 km de réseau, 13 500 abonnés depuis le 1er janvier 2023, puisque Terrasson, on alimentait une partie de Terrasson, mais le cœur de la ville de Terrasson était en régie indépendante. Et donc, cette partie de la ville de Terrasson a intégré le syndicat au 1er janvier 2023. Voilà, pour quelques chiffres. Cette structure gère l'eau en délégation de service public, c'est-à-dire que nous confions à une société, entre autres Veolia, par un contrat qu'on a renouvelé au 1er janvier 2023. Et donc la particularité de ce contrat, c'est qu'on a réalisé, donc après mûre réflexion avec mes vice-présidents, et notamment Jean-Louis qui est le premier vice-président de cette structure, nous avons
demander à la société Veolia, quoi, et aux autres concurrents qui sont présentés, de créer une société dédiée, ce qu'on appelle une société dédiée, qui est une filiale de Veolia, puisque c'est eux qui ont été retenus au final, et qui s'appelle la CEP. Ce n'est pas original, c'est la Compagnie des eaux du Périgord Est. Voilà, que vous voyez en tête d'ailleurs maintenant sur vos factures. Alors pourquoi créer cette société dédiée? Tout simplement pour clarifier les relations entre la collectivité qui est la nôtre et justement ces sociétés qui gèrent la distribution et la production de l'eau. Le but, il était que nous avons, grâce à cette société, un personnel qui est entièrement dédié, qui appartient à Veolia, mais qui n'est plus personnel de Veolia et personnel de la CEP, c'est-à-dire de la Compagnie des eaux du Périgord Est, et qui est entièrement dédié à notre structure, avec deux chercheurs de fuite, avec un certain nombre de personnes pour faire les travaux, pour gérer les différentes choses qu'il y a à faire. L'intérêt est de clarifier nos relations et également de clarifier nos relations financières puisque dans ce type de société, il y a toujours des frais généraux qui sont affectés à la société mère. Et ces frais généraux souvent varient d'une année à l'autre. Là, le but, c'était de fixer dès le départ ces frais généraux. Donc on a mis en concurrence à plusieurs sociétés, il y a trois sociétés qui sont proposées et ces frais généraux sont fixés une bonne fois pour toutes pour toute la durée du contrat et n'évolueront plus tout au long du contrat. Voilà. L'autre, on a demandé donc au cours de ce contrat beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais une chose importante qui va vous intéresser très prochainement, c'est la mise en place de la télérelève. Des compteurs d'eau. Actuellement, nous sommes, comme la majorité des services d'eau du département, nous sommes en relève manuelle, c'est-à-dire que chaque année, on ne fait pas un agent qui passe et qui relève votre compteur d'eau et pour établir la facture. Vous recevez une première facture au mois de juillet, qui est une facture estimative, et une facture réelle en fin d'année ou début janvier. Là, avec la télérelève, on aura la connaissance de la consommation d'eau chaque jour. Vous pourrez avoir également connaissance de cette consommation d'eau personnellement grâce à l'application qui sera liée à ce système. Et nous comptons beaucoup sur cette nouveauté pour notamment réduire les fuites parce que le problème des fuites, on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup cette année vu les conditions climatiques, on en parle un peu moins parce qu'il pleut tous les jours, mais le problème il est toujours là malheureusement. Et ce problème de fuite, c'est que on sait l'eau qu'on injecte dans notre réseau, on ne sait pas l'eau qui est consommée. Et avec le système de la télérelève, on pourra connaître chaque jour, secteur par secteur, l'eau qu'on a injectée dans notre réseau et l'eau que l'on a réellement consommée. Et donc, améliorer le travail des chercheurs de fuite pour les guider vers les endroits où les pertes sont les plus importantes. L'intérêt pour vous également, c'est d'avoir cette information de consommation. Vous pourrez recevoir directement une alerte si votre compteur d'eau, par exemple, fuit, si le compteur d'eau n'a pas arrêté de tourner pendant plus de 24 heures ou de 48 heures, vous recevrez une alerte de la part du distributeur d'eau en vous disant, bon, faites attention, vérifiez, il y a un problème. C'est important parce qu'on trouve beaucoup de fuites, notamment sur des résidences secondaires, les gens sont partis, ils n'ont pas fermé l'eau et il y a des fuites et c'est souvent des volumes relativement importants. Parce que l'objet de ce contrat, c'est également d'économiser un maximum l'eau. Bon, l'eau, tout le monde, c'est un bien commun, mais c'est un bien que l'on se doit de préserver. Et donc l'objectif quand même que l'on s'est fixé, qu'on a fixé donc aux distributeurs, c'est d'économiser sur la durée du contrat 2 millions de mètres cubes d'eau. 2 millions de mètres cubes d'eau,
sachant que ça représentera 10 à 15% de ce que l'on consomme actuellement. Voilà. Donc, le syndicat en lui-même est propriétaire de toutes ces installations. Donc, je le disais, 1000 km de réseau, 55 ouvrages, qui sont soit des ouvrages de production, soit des ouvrages de stockage, de relais, de surpresseur. Donc, tout ça est propriété du syndicat, et c'est le syndicat qui a la charge de ce renouvellement, du renouvellement du réseau et de le maintien en état de ces réseaux. Nous réalisons chaque année à peu près un peu plus d'un million de travaux. Cette année, on prévoit de budgéter 1,3 million de travaux de renouvellement, essentiellement de renouvellement de réseau. La somme vous paraît peut-être importante, mais ce n'est pas si important que ça, vu l'étendue de notre réseau, puisqu'il faudrait qu'on puisse renouveler encore davantage de réseaux pour toujours dans le but d'améliorer les rendements de nos réseaux. Voilà, donc on travaille sur Hautefort, évidemment. On travaille sur Hautefort. En 2022, on a fait la rue du Pavé et du Calvaire. Hein, c'est de mémoire, c'était à peu près 135 000 euros de travaux hors taxes. Cette année, on va faire 160 000 euros de travaux en tout, puisqu'on a fait deux opérations. On a fait le réservoir de la Genèvre, qui présentait une légère fuite sur sa structure. Donc on a été obligé de faire une rénovation complète intérieure de ce réservoir. Et en même temps, on a fait la rue de la Genèvre, la route de la Genèvre. Voilà. Où on avait de nombreuses casses et qu'il fallait donc intervenir pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est à peu près 160 000 euros qui ont été mis sur ces deux opérations. Et je crois que dans le programme 2004, quoi, je crois pas, j'en suis sûr, on est en train de programmer, on n'a pas le montant exact, mais on va programmer rue du Périgord et avenue de l'Europe. C'est un endroit où on a des soucis également de rupture de tuyauterie. En plus, on a un problème de qualité d'eau vu l'état dans lequel se trouvent les tuyauteries en fonte, qui chaque fois qu'on a une casse, eh bien, on remet de l'eau rouge dans le réseau. Voilà. Ça va être un gros chantier de plus de 200 000 euros qui va être réalisé courant 2004, je pense, en fin d'année 2004. Voilà, donc sur les trois dernières années, on aura quand même mis plus de 500 000 euros sur la commune de Hautefort, hein, et on en fait des travaux ailleurs, évidemment, bien évidemment. Je rappelle que ces 500 000 euros, eh bien, c'est entièrement l'argent du syndicat et qu'il n'y a aucune participation des communes à ces travaux-là. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais on essaye de travailler au mieux. C'est une structure qui fonctionne, on essaye de faire un maximum de travaux en autofinancement. On a des gros travaux aussi en prévision, mais où là on fera appel à l'emprunt, il faudra construire de nouveaux réservoirs, rechercher peut-être de l'eau sur le sud de notre secteur, puisque on a des ressources de surface. Sur le nord, on n'a pas trop de soucis, on a des quantités d'eau de qualité et en quantité. Mais sur le sud, c'est un peu plus délicat, où on a des ressources de surface qui, elles, malheureusement, vu les années que l'on connaît, les étés que l'on connaît, avec des consommations sur ces secteurs-là très importantes en période estivale, liées à la présence de camping ou des choses comme ça, qui font qu'on a des consommations très fortes et qu'il faudra sûrement trouver des ressources complémentaires sur ce secteur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci encore de m'avoir donné la parole. Et je vous souhaite évidemment, bien évidemment, une bonne année, faite de bonheur, de santé, de réussite pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Merci. Merci, Gérard. Et surtout, du feu de l'eau du robinet. Consommez. Donc, voilà. Plus la consommation, merci, c'était très précis. Et je tenais à ça parce qu'on n'en parle pas suffisamment de l'eau. Alors on ouvre le robinet, tout fonctionne, sauf qu'il y a des endroits où quelquefois ça fonctionne moins bien, mais on répare assez vite. Je remercie d'ailleurs la société Veolia qui est représentée ce soir par Jean François, qui est notre interlocuteur privilégié et qui gère rapidement nos soucis, et je la remercie.
Donc voilà, pour l'eau, alors pour l'électricité maintenant, c'est le SDE, Syndicat des énergies de la Dordogne, qui gère le réseau électrique, le réseau gaz, ça, ça nous concerne moins, l'éclairage public, la mobilité durable et participe à la transition, énergétique, j'arrive à le dire. Il est présidé, au moins localement, par M. Lionel Armagnan, qui est maire de Beauregard et vice-président de la commune également. Des effacements de lignes sont prévus à la Genève, enfin, qui vont enfin se réaliser. Merci Lionel pour ton implication. L'éclairage public, comme nous l'avons demandé, est éteint de 22h30 à 6h. Alors c'est éteint à 18h30 l'été, puisqu'évidemment on vit un peu plus dehors l'été, afin de réaliser des économies. Alors le montant de ces économies, on ne vous le donnera pas parce que l'année est à peine terminée. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que plus on consomme, moins on consomme, mais plus on dépense. Parce que vous savez que le prix de l'électricité augmente. Alors nous, on fait plein d'efforts pour économiser, mais on n'économise pas financièrement. Donc voilà. Mais enfin, bon, ça, c'est comme ça. Alors si Lionel, tu veux intervenir, dire deux mots un petit peu des projets sur le secteur, en particulier. Ah, t'as préparé un petit moment, d'accord. Merci Jean-Louis, bonsoir à vous tous. Donc, je vais vous dire deux mots du syndicat départemental des énergies. Voilà, donc effectivement, je suis le vice-président de secteur. Donc, je m'occupe d'une quarantaine de communes, exactement, un territoire assez étendu, qui va de la Feuillade jusqu'à la Noaille. Donc, vous voyez, ça fait quand même du chemin à suivre. Voilà, donc le SDE 24, c'est un syndicat intercommunal. Je ne vais pas rappeler les compétences, puisque Jean-Louis l'a fait tout à l'heure. Comme le syndicat d'eau, le syndicat des énergies est propriétaire des réseaux électriques. Ce n'est pas Enedis le propriétaire, c'est le syndicat. Il ne faut pas l'oublier, donc le syndicat, ce sont les communes, ni plus ni moins. Voilà, donc le réseau est concédé à Enedis. C'est-à-dire que Enedis n'est que l'exploitant des réseaux. Hein, voilà. Et y a un contrat de concession, hein, comme pour l'eau, là il y a un contrat de concession entre le SDE 24 et Enedis. Voilà. Donc en Dordogne, effectivement, le syndicat des énergies couvre l'ensemble du territoire de la Dordogne, c'est-à-dire 25 674 km de réseau, basse tension et haute tension. Donc c'est quand même un réseau qui est très étendu, parce que la Dordogne est un département très étendu. Il y a quand même 14 800 postes de transformation dans le département. Donc c'est quand même pas rien. Alors, on consacre au SDE 24 millions de travaux chaque année sur le réseau électrique uniquement, les renforcements, les extensions, les effacements, la sécurisation des réseaux. Et puis les renforcements, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, beaucoup plus qu'avant même, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes incitées par le gouvernement à mettre en place des pompes à chaleur, et on se rend compte que souvent, les réseaux ont du mal à suivre, et donc on est obligé de faire des renforcements. Donc on est aussi propriétaire du réseau gaz, Jean-Louis l'a dit, donc c'est un peu plus limité évidemment, puisqu'il n'y a que 48 communes en Dordogne qui ont un réseau de gaz de ville, c'est-à-dire 1540 km de réseau. Donc c'est beaucoup moins. Alors le SDE, c'est avant tout une compétence qui est très importante dans le domaine de l'éclairage public, hein, puisque en Dordogne, on a 81 500 points lumineux. D'accord ? Et qui sont répartis sur 498 communes, hors Périgueux qui gère son parc elle-même, la ville gère son parc elle-même, et puis 3 ou 4 communes qui n'ont pas d'éclairage public. Donc le réseau d'éclairage public est géré en régie, hein, puisqu'on a une régie autonome, hein, donc on fait à peu près 3000 interventions par an de dépannage sur le département, hein, pour des réparations. Et 8 millions d'euros de travaux programmés chaque année en éclairage public pour la modernisation, les extensions et puis aussi quelques sinistres. Voilà, il faut dire qu'on a 27% quand même de vétusté au niveau du parc, hein, c'est-à-dire
à peu près, je pense, 25 000 maintenant, à peu près, foyers qui ont plus de 35 ans. Et là aussi, on a engagé sur 10 ans un programme important avec les communes pour moderniser le parc. Voilà. Les recharges électriques pour les véhicules électriques, donc 290 points de charge dans le département. Hein, donc c'est pas mal, on est pas mal couvert. Les sessions, c'est-à-dire les transactions qu'il y a avec les personnes qui se raccordent, sont en très forte progression, hein, puisque ça suit effectivement l'augmentation du parc de véhicules électriques. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va monter certainement en puissance. Voilà, le SDE c'est une petite structure, hein, c'est 62 agents, hein, c'est pas énorme, hein, voilà, donc qui sont répartis entre techniciens et administratifs. On est organisé en 15 secteurs énergétiques, nous on représente un secteur énergétique, hein, Auvézère, la Bachellerie, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, donc chaque secteur a son vice-président. Et chaque commune a deux délégués, quelle que soit la taille de la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, puisque souvent la représentativité est proportionnelle à la taille des communes. Et au SDE, non, c'est deux délégués par commune, quelle que soit la taille de la commune. Alors, si tu me le permets, pour notre secteur, Auvézère, la Bachellerie, 40 communes, 770 km de moyenne tension, 900 km de basse tension, 944 postes de transformation sur le territoire. Donc ça fait un réseau qui est quand même pas mal étendu. On consacre sur notre secteur environ 2 millions de travaux par an, hein, pour tout programme confondu. Hein, voilà. Alors, venons-en autre fois. Alors, en 2023, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé le secteur des Brugeaux, voilà, hein, pour un montant de 155 000 euros. Voilà. La commune a enfoui la ligne de téléphone, voilà, pour 40 000 euros environ. Hein, moi, j'ai des chiffres estimatifs, je n'ai pas les décomptes définitifs. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024? Donc, deux chantiers sont prévus autre fois. Tout d'abord, une sécurisation des fils nus au lieu dit la Motte. Voilà, donc c'est une ferme, je pense, qu'il y a par là. Voilà, donc c'est les derniers, hein, les fils nus, il n'y en a plus. Hein, là aussi, ça a été un énorme chantier qui nous a occupé pendant 10 ans pour résorber la totalité des fils nus du département. Hein, parce que ces fils nus, ils étaient souvent, c'était des lignes historiques qui dataient d'après-guerre et qui étaient souvent sujets à panne. Et qui était aussi quelquefois dangereuse, notamment avec les arbres. Donc là, aujourd'hui, on est au dernier kilomètre de fil nu. On en trouve quelquefois au fin fond des campagnes. Et donc, à Hautefort, il y en a encore un peu. Donc l'estimatif, 20 000 euros. Voilà. Et enfin, le village de la Genève. Alors, une première tranche avait déjà été réalisée, parce que ce programme avait été initié par Yves Moreau, hein, qui est là. Et il devait être fait en deux tranches. Une première tranche avait donc été réalisée. Il restait la tranche 2. Et là, effectivement, elle a été repoussée pour des raisons effectivement financières. Mais là, maintenant, elle est programmée en 2024. Et il y en a pour un montant de 80 000 euros. Voilà. Donc, c'est un programme uniquement esthétique, hein, puisque, effectivement, le réseau est parfaitement fonctionnel aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça terminera bien la première tranche. Voilà un petit peu tout ce qui est fait au niveau du SDE 24. Alors, comme pour l'eau, c'est vrai qu'on a l'électricité à la maison, on s'imagine que c'est naturel, mais en fait, derrière, il y a quand même tout un travail, hein, pour maintenir les réseaux en état, pour que ça fonctionne bien, pour ne pas avoir de baisse de tension. Ben, ça, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien au niveau du syndicat. Et si, dans vos villages respectifs, il y a des soucis, n'hésitez pas à en faire part à Jean-Louis, et puis il me fera remonter, et puis on verra effectivement si on peut traiter le problème. Voilà, je ne suis pas plus long, je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de satisfaction et de bonheur, et puis voilà, et puis bonne soirée. Merci, Lionel.
Voilà, je tenais à ce que toutes ces précisions soient faites, parce qu'on n'a jamais trop d'informations sur ces choses-là, mais qui sont en notre vie courante, donc je crois que ça valait la peine. Une autre chose qui est importante, là par contre vous risquez de vous insurger, mais non, c'est pas la peine, c'est le SNDF3 qui s'est substitué, vous voyez, je m'en doutais, c'est le SNDF3 qui s'est substitué au Spectrum et qui gère la collecte et le traitement des ordures ménagères. Voilà, donc alors, moi, personnellement, il y a des décisions qui ont été prises, on n'a pas toujours été pour, mais elles sont prises. On doit accepter ce qui est fait, c'est de la démocratie, ni plus ni moins. Et personnellement, je le répète, je l'ai dit l'année dernière déjà, je ne cautionnerai pas les incivilités que nous voyons tous les jours au pied des points d'apport volontaires. C'est pas normal. Et cela est inacceptable et totalement contre-productif. Je rappelle qu'il faut avoir une carte pour ouvrir les conteneurs et leur obtention est obligatoire. La demande doit être faite auprès de SMD3. Il y a encore quelques personnes, on a reçu un listing d'ailleurs cette semaine qu'il faut remettre à jour, qui ne l'ont pas fait. Ils doivent régulariser cette situation très rapidement. Si vous connaissez des gens qui ne l'ont pas, dites-leur de le faire parce qu'ensuite, ils risquent d'être sanctionnés. Je ne veux pas dire sanctionnés, c'est sanctionnés pécuniairement. Et ils vont avoir des amendes. Donc ça serait dommage de ne pas faire. Donc il faut faire comme il faut. Il faut avoir la carte pour aller mettre ses ordures ménagères avec le sac noir. Les sacs papier, c'est gratuit. Tout ce qui est papier d'emballage, tout ce qui est emballage carton, vous avez vu qu'il y avait des bornes de carton maintenant. Vous avez vu sur notre vidéo des bornes pour les cartons spécifiques. Donc n'hésitez pas à y aller, ne passez pas devant le point d'apport volontaire et posez votre carton comme ça et partez. Non, parce qu'après, derrière, il y a du travail. Il faut le ramasser, il faut... Alors quoi en faire? Ben, il faut le traiter, etc. Donc si vous voyez des gens, n'hésitez pas à leur dire. Je sais qu'ici, il n'y en a pas un qui fait ça, mais les gens que vous connaissez et qui peuvent le faire, dites-leur d'être raisonnable et de ne pas faire ça. Donc j'en profite aussi pour remercier, mais il n'est pas là ce soir, mais je le fais quand même, M. Jacquet, qui est le directeur du centre de Dussac, et qui répond aux demandes. C'est vrai que dès qu'on a quelque chose à dire, on voit avec Sylvette, aussitôt c'est très réactif, ils arrivent, ils envoient quelqu'un pour faire ou nettoyer des points d'apport volontaire, ou des choses comme ça. Si la borne ne marche pas, ça peut arriver aussi. Donc ils viennent et tout ça est réglé. Voilà. Donc merci à M. Jacquet, qui est, je vous dis, très réactif, et à toute son équipe qui vient assez souvent sur le secteur et qui nous accompagne. Ensuite, dans les syndicats qui s'occupent de notre vie courante, c'est le Sivos d'Excideuil qui gère le transport scolaire et le gymnase pour le collège et le lycée d'Excideuil. Il est présidé, ce syndicat, par M. Davaz. Ensuite, il y a le syndicat intercommunal à vocation scolaire du pays de Hautefort, donc qui est constitué de 12 communes, dont les 9 originelles qui sont Hautefort, Bad-Foldance, Boisseuil-Courjour, Grange-Dance, La Chapelle-Saint-Jean, Nagat, Théo, Temple-Aguillon, auxquelles se sont jointes en 2021 Chervé-Cubat, Anliac et Sainte-Prie. Ainsi, pour créer le RPI du Pays de Hautefort. Alors, RPI, ça veut dire Regroupement Pédagogique Intercommunal. Ensuite, ce RPI est géré par le syndicat, du Pays de Hautefort, qui a en charge le fonctionnement global du groupe scolaire, c'est-à-dire le périscolaire, la cantine, la garderie, etc. Il est présidé par votre serviteur. Je suis entouré de 4 vice-présidents qui sont Sylviane Grandchamp, maire de Bad-Foldance, Antonio Rodriguez, qui est premier adjoint à Chervé-Cubat, Florent Tonnerre, que je salue, qui est présent ici, qui est élu à Nayac, et Philippe Mousseau, que vous connaissez, et qui œuvre beaucoup pour le bon fonctionnement de ce groupe scolaire. Donc je remercie tout le monde pour leur engagement et pour le travail réalisé au quotidien. Il y a environ, nous recevons les enfants sur 2 sites. Il y a Hautefort, bien sûr, et Chervé-Cubat, avec qui reçoit la classe de Chervé-Cubat, qui reçoit les CM2. Donc, en tout, il n'y a pas tout à fait 120 élèves, mais c'est une bonne,
une bonne réalisation. Ils sont encadrés tous ces élèves par 6 institutrices, une en chaire de Cuba et 5 à Hautefort, et le personnel du syndicat qui compte, alors j'ai compté 8 personnes, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce qu'en dernier il y en avait 11. Il y en a une en chaire de Cuba, Gislaine, qui s'est excusée de ne pas pouvoir être là ce soir. Il y en a 7 à Hautefort. Il y a Mélanie, que je remercie d'être présente et de rendre visite ce soir. Il y a Vanessa, que je remercie aussi pour sa présence. Il y a Béatrice et Jean-Pierre. Je crois qu'il n'a oublié personne. Et avec une jeune fille en contrat qui va débuter en début de cette année, c'est Camille qui va nous rejoindre. Et enfin, nous avons la chance d'avoir une secrétaire qui, à temps partiel, Mathilde, qui est ici aussi présente et que je remercie. Et elle est une nouvelle venue dans l'équipe, elle a embauché au mois de novembre, je crois, qui s'occupe de toute la gestion administrative et comptable, et ce n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. Même que ce soit de petites structures, c'est très important, il y a le personnel à gérer, et après, bon, il y a toute la cantine, etc. Donc elle œuvre parfaitement dans cette fonction. Donc je veux les féliciter aussi pour le travail accompli qui n'est pas simple, comme j'ai déjà dit, bon voilà. Donc je tiens à remercier toutes les communes adhérentes qui font confiance à ce SIVS pour un projet qui met en avant le confort et le meilleur accueil possible pour les enfants en relation avec les enseignantes que nous remercions pour leur professionnalisme. Je voudrais remercier aussi la communauté de communes, présidée par Dominique Mousquet, qui va être là tout à l'heure, pour l'action menée au quotidien pour et sur notre territoire, tant au niveau économique qu'au niveau des services aux particuliers. Dans les compétences, il y a le CIAS, l'assainissement, l'urbanisme, le tourisme, le social, etc. Et remercier tout le staff, alors M. Harel, qui est le directeur général des services, qui nous fait le plaisir d'être là, M. Malo, qui devait venir, il m'avait dit, mais bon, peut-être que... Il y a M. Salcucci aussi, que je salue, et tous les collaborateurs de cette commune, sans oublier l'antenne de France Service sur Hautefort, qui est fait en relation avec le centre social de Tenon, mais les choses vont changer dans le courant de l'année, ça sera géré directement par la communauté de communes après le premier trimestre, je crois, Nicolas. Je voudrais remercier le château avec qui nous entretenons les meilleures relations. Pardon, excusez-moi, j'ai pas fini. Je sortais un paragraphe et je m'en excuse. Je voudrais remercier l'Office de tourisme, qui est aussi une émanation de la communauté de communes, qui gère l'activité touristique pour la communauté de communes, l'accueil des visiteurs, la promotion du territoire, les entrées de notre musée, de l'histoire de la médecine grâce à une convention. Un nouveau statut juridique l'a transformé en EPIC. Alors c'était un nom barbare ou un acronyme un peu compliqué, c'est établissement public, industriel et commercial. Celui-ci est présidé par le vice-président de la communauté de communes, M. Dominique Durand, qui est maire de Tourtoirac, que je remercie de sa présence ce soir, et dirigé par Younes Roussy. Merci Dominique de ta présence. Je voudrais aussi remercier le château avec qui nous entretenons les meilleures relations possibles avec Thomas McDonald, qui est le secrétaire général de la Fondation, qui est toujours à notre écoute, et réciproquement. Sans oublier M. Pierre Bordac, le président, qui, lorsqu'il vient à Hautefort, ne manque pas de nous rencontrer. Je voudrais remercier les conseillers départementaux, donc par avance, mais ils sont pas là, j'espère qu'ils vont arriver avant qu'on ait fini, parce qu'autrement, moi, je ne pourrais pas les remercier, mais enfin, bon, on se débrouillera. Donc, Francine Bourrat et Dominique Bousquet, pour leur soutien permanent. Je voulais remercier les services, la gendarmerie, le lieutenant Nastrani et ses brigades, mais le chef de brigade de Hautefort, M. l'adjudant-chef Romain Delattre, est présent. Il est parti, peut-être. Il a été appelé, j'ai vu, c'est ça. Bon, je le salue, je l'ai salué tout à l'heure, mais voilà. Donc je voulais le... Il a été nouvellement mis en place, je crois que c'est cet été qu'il est arrivé. Donc merci au travail qu'ils font, parce que mine de rien, on a besoin aussi de leur service. Je voulais remercier les pompiers d'Excideuil, le commandant Lacchioni pour leur présence, leur disponibilité et les services importants rendus à notre population. C'est vu que les pompiers sont passés il n'y a pas longtemps à nous vendre les calendriers, mais ils font un travail vraiment tout à fait remarquable. Ils sont très très présents, bravo à eux. Alors concernant les pompiers d'Excideuil, je voulais rendre hommage à Marc Levon, disparu cette année, qui était un ami de notre commune, en participant au jury du concours des maisons fleuries de Hautefort-Saint-Adrien, mais aussi un ami pour son engagement réalisé, il était à la retraite maintenant, mais avec les pompiers, puis avec la protection civile.
un ami par sa sympathie, sa bonne humeur et son savoir-vivre. C'était vraiment un compagnon tout à fait charmant. Enfin, remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont parties prenantes dans notre vie locale, économique, associative, sportive, culturelle, mémorielle, commerciale, artisanale, industrielle, sociale, médicale, et la population de Haute-Forêt-Saint-Agnan qui nous fait confiance pour gérer les intérêts de notre si belle commune. Concernant les réalisations de 2023, elles sont détaillées au fil de l'eau sur le bulletin d'information municipale, le BIM, comme on l'appelle, et sur l'écran qui a défilé pendant votre attente. Vous avez pu voir toutes les réalisations qui ne sont peut-être pas exhaustives, mais enfin, qui sont présentées là. Donc, il y a trois BIM, je vais appeler BIM, hein, qui sont délictés tous les ans, et un qui annonce, qui sort au mois de juillet, début juillet, qui annonce toutes les manifestations. Là aussi, je voudrais remercier particulièrement sa rédactrice en chef, qui passe du temps, comme vous ne pouvez pas imaginer, à créer ces BIM. Parce qu'il faut collecter toutes les infos à passer, il faut les mettre en page, il faut réfléchir sur la couverture à chaque fois qu'il y a un nouveau BIM. Qu'est-ce qu'on va mettre comme photo? Alors, il ne faut pas mettre toujours le maire, il faut mettre autre chose. Donc voilà. Et donc, il faut patienter aussi que les associations à qui on demande un petit article, que ces associations-là nous le passent. Donc on vous demande de le faire rapidement, parce qu'on en a besoin. On en a besoin aussi, et puis ça favorise, si on a assez tôt, ça favorise le travail aussi. Et donc voilà, je voulais quand même remercier particulièrement Sylvette Fort, parce qu'elle fait un travail extraordinaire avec ça, et vous avez comme ça les informations qui vous sont fournies au fil de l'eau. La distribution est faite par le conseil municipal, chacun a un secteur, et on distribue les bulletins municipaux boîte par boîte, et à porte à porte, donc je pense que c'est une bonne façon de faire. En plus, si on rencontre quelqu'un, ça nous permet de discuter, il n'y a pas toujours des problèmes aussi, mais on discute gentiment et agréablement. Alors, quelquefois, effectivement, il y a des problèmes. On essaie de les régler le mieux possible. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a trois autres moyens de communication que nous avons en cours à notre commune de Hautefort, Saint-Agnan. Il y a notre page Facebook. Alors, ce n'est pas une page où on fait passer les potins ou choses comme ça. Non, non. Ce sont des informations réelles pour la commune et pour vous qui vous est destiné. Il y a un site internet, hautefort.fr, sur lequel il y a des informations plus pérennes, plus durables. Donc, voilà. Et Facebook, c'est des informations au jour le jour, quoi. Et ensuite, il y a le panneau Pocket. Alors, panneau Pocket, il faut avoir téléchargé cette fonction sur son téléphone. Et on passe des infos, c'est pareil, pas tous les jours, mais toutes les semaines, au moins, il y a quelque chose. Et ça permet de passer, ça permet que vous ayez aussi ces informations-là. Par exemple, il va y avoir des coupures d'électricité, hop, il va y avoir des travaux d'eau, hop, il va y avoir des choses comme ça, on peut vous informer facilement. Donc, ça serait bien que vous, la plupart d'entre vous, ayez ça sur votre portable, et puis vous avez comme ça les infos au quotidien. À présent, je vais vous parler de quelques petits dossiers, pas petits d'ailleurs. On dit toujours un petit café, on dit un petit. On vient nous voir souvent au bureau, on me dit je peux vous poser une petite question. C'est pas une petite question, c'est une question. Je me tourne vers les filles qui sourient là-bas. Donc, je vais parler de quelques dossiers. L'Hôtel Dieu, Aile Est. Les travaux sont terminés depuis juillet 2023. Je crois que le résultat est à la hauteur de nos espérances. Les trois entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment, à savoir les compagnons réunis qui sont de la bachellerie pour la maçonnerie et les façades, bon, c'est ce qu'on voit le plus, les façades, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais bon, c'est quand même assez remarquable, quoi. Les ateliers Férignac pour la menuiserie et la charpente. Alors la menuiserie, c'est toutes les fenêtres qui ont été changées, et la charpente, il y a eu des consolidations, un plancher qui a été refait, etc. Et enfin Stéphane Vanessel, pour l'électricité et la mise en lumière, si vous visitez ce bâtiment. Et vous pouvez si. Oui, oui. Donc, si vous voulez, Stéphane Vanessen a fait un travail assez intéressant à l'intérieur. Et bon, il a fait la mise en lumière et pour superbement éclairer le bâtiment et tout ça. C'est vraiment formidable. Donc, je pense qu'on peut être fier de notre bâtiment
qui est remis vraiment dans des conditions magnifiques et qui est vraiment l'emblème de notre cité de Hautefort. Le groupe scolaire. Alors j'avais dit l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le mode de chauffage serait changé en 2023. Et avec que des lits. Donc, sans musique alors. Non, je ne sais pas chanter, donc voilà. Donc j'espère que ça va se faire en 2024. Les appels d'offres sont déposés. Or, ces dossiers sont d'une grande complexité, effectivement. Mais nous avons donc lancé les appels d'offres, donc on attend les résultats avec des entreprises pour que ces travaux puissent se faire cet été. C'est important, on a des chaudières, on a trois chaudières à changer, et qui, trois chaudières au fioul à changer. Il y en a une en particulier, pour vous que ça dure, pour vous que ça attende, et, parce que pas tous les jours, j'exagère, mais souvent on se dit, si jamais il y a un pépin, je sais pas ce qu'on va faire. Et c'est vrai qu'il nous tarde de faire. Donc ce projet, je vous l'avais expliqué, ça serait une chaudière à pelée, à granulée, et qui chauffera l'ensemble des trois bâtiments que nous avons, avec le groupe scolaire du bas, la maternelle, avec le bâtiment du vétérinaire, le bâtiment qui s'appelle le bâtiment Bertrand de Mort, et ensuite l'ancienne perception, où est l'institut de montée et l'appartement au-dessus. Donc tout ça, ça va être un réseau de chaleur qui va faire, j'espère, c'est ce qui a été prévu, promis, écrit, etc., comment on fera des économies. Voilà, mais tout ça aussi, ça n'a pas l'air, mais ça augmente aussi, donc voilà, les conditions seront moins bonnes, mais enfin, c'est comme ça. Nous avons quand même, dans le groupe scolaire, réalisé une salle de motricité qui pourra être utilisée par les institutrices pour les enfants, évidemment. La bibliothèque, alors moi je salue Caroline là-bas qui est au fond et qui va écouter attentivement, je ne vais pas dire tout le détail, puisque ça sera mieux fait ensuite. Nous avons intégré la salle de réunion dans la bibliothèque, où tout au moins nous avons agrandi la salle bibliothèque avec la salle de réunion qu'il y avait avant. Donc cette salle de réunion, c'est partie intégrante de la bibliothèque. Comme ça, on crée un espace culturel beaucoup plus important et capable de recevoir beaucoup plus de public. Je vous invite à venir visiter cette nouvelle bibliothèque. Le mobilier est mis, l'installation est faite, etc. Et je vous invite à vous inscrire à la bibliothèque, comme ça vous recevrez des informations, tout ça, d'autant que cette inscription est gratuite. Donc n'hésitez pas, profitez de ces services et venez voir, venez voir Caroline, et surtout venez voir le nouveau cadre dans lequel elle travaille. La culture à la campagne doit être dynamique, doit être disponible et accessible à tous. C'est important. Nous faisons le possible, tout le possible, pour qu'il en soit ainsi. C'est un de nos objectifs. Venez la visiter et vous renseigner sur les animations pour les petits et les grands aussi, évidemment. Vous l'avez compris, tout ceci est fait dans le même objectif que nous sommes fixés, que notre population soit encore plus heureuse de vivre à Hautefort-Saint-Aignan. Que des nouveaux habitants aient envie de s'installer dans notre belle commune, et que nos visiteurs aient envie de venir et de revenir. Notre population INSEE au 1er janvier 2024, alors c'est pas une bonne nouvelle, est de 838 habitants, ce qui n'est pas satisfaisant. Je vous l'ai dit l'année dernière, on était à peu près dans le même chiffre. Nous travaillons lourd pour retrouver nos 1000 habitants que nous avions il n'y a pas si longtemps que ça. Des maisons se sont réouvertes, nous avons invité, on va montrer lors d'une réception, nouveaux arrivants, 39 familles en 2022, et 22 en 2023, ce qui est un signe quand même encourageant. Mais des demandes incessantes de logement nous sont faites, nous arrivent sans pouvoir les satisfaire. Dommage. Je veux remercier malgré tout Périgord Habitat d'avoir rénové le lotissement du pont des Épingles. Bon, ça c'est le nouveau nom des HLM des Ramissas. C'est vrai que le lotissement du pont des Épingles, ça sent quand même un peu plus parlant. Et c'est un budget de Périgord Habitat qui... Ils ont mis 1 million d'euros quand même sur la rénovation. Tout le chauffage, l'isolation thermique, etc. L'ensemble des logements a été attribué aussitôt et nous continuons à chercher d'autres solutions pour essayer de faire venir le plus de monde possible dans Hautefort. L'année 2023 a été très animée à Hautefort cette année. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. Le village Terre de Jeux, le village olympique, le samedi 13 mai avec l'USH,
soutenu un club de foot sur le Stade Bastard qui a eu un grand succès. C'est vrai que tout un tas de sports sont venus exposer leur savoir, ils avaient des stands et ont pu ainsi montrer aux gens ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, surtout des jeunes, mais aussi des familles, etc. C'était une très belle journée. Je crois qu'on a bien réussi notre réception. Et merci à l'USH pour l'organisation qu'ils ont faite, puisque c'était eux qui étaient chargés de faire les ravitaillements. La fête de la musique, le 23 juin, organisée par Bouche-Tambour. Le premier festival de conte organisé par Dieu Côte-le-Voir le 10 juin. C'était une première. Ce Chavaroche, je crois, qui était là. C'est bien son nom. Et je remercie cette association. Premier festival de conte. Il y a eu un public. Il y a un public pour ce genre de choses-là. Mais je vous invite à y participer parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et on découvre aussi des gens qui font des contes qu'on n'imaginerait pas faire ça. Donc bravo. Et c'est un festival qui est important. J'espère qu'il va être renouvelé cette année. On nous dit oui, donc tant mieux. Les différentes courses cyclistes nationales, alors je ne sais pas pourquoi cette année tout le monde voulait passer à Hautefort à vélo. Donc, on a accepté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. Mais le plus important, le tour de France femme, le 25 juillet. Alors, je ne sais pas si vous étiez au bord des routes, mais en fait, il y avait un monde pas possible de la montée. Alors, on dit la montée de Joie, mais en fait, c'est l'avenue du Périgord et l'avenue Sivelle-Flora. C'était noir de monde. C'était vraiment intéressant, c'était très coloré et tout. Comme on voit à la télévision lorsqu'il y a des étapes. C'était vraiment formidable. Donc il y a eu beaucoup de monde et c'était quelque chose de très intéressant. Ensuite, il y a eu la Périgord Église, excusez-moi pour la prononciation, hein, le 12 août. C'était une course départementale, mais il y a eu quand même un petit peu de spectateurs. Il y a eu aussi la Périgordine, je crois, qui est passée. Mais là, c'était un peu plus transparent. Mais voilà. Donc le vélo, oui, pourquoi pas. D'autant qu'il y a un projet de flow vélo qui se dessine, donc pourquoi pas là, mais il va falloir trouver la place pour faire les pistes à vélo, ce qui n'est pas simple, mais enfin bon, on verra ça. Ensuite, il y a eu les marchés du vendredi à Saint-Agnan, qui étaient organisés par le comité des fêtes, qui sont les habituelles animations estivales, et qui marchent toujours pas si mal que ça. Les différentes représentations musicales qui sont organisées par Pacte Torparac, qui fait des concerts dans la chapelle de l'Hôtel Dieu et qui sont toujours de très grande qualité. La Nuit des Lumières à l'Hôtel Dieu qui a été organisée par la CAVA, alors ça c'est un moment que je trouve toujours assez émouvant. C'est dans Hautefort, quand on voit 1000 personnes assister au spectacle, qu'on est là et que tout le monde applaudit à la fin et tout ça, on a rarement vu ça à Hautefort. Et vraiment, moi, sincèrement, je trouve que c'est quelque chose je me répète, émouvant et rare aussi. Donc merci à la CAVA d'organiser ça. Et c'est un moment, je crois, important pour la vie de Hautefort. Et même si c'est en fin du mois d'août, ça ne prouve rien. Ça fait venir beaucoup de monde. Donc bravo. Ensuite, l'État du Coucou, lieu de rencontre avec ses marchés le dimanche soir et le feu d'artifice du 14 juillet. Les brocantes dans nos bourgs. Les soirées costumées au château, les rencontres littéraires du duo Périgord au Roi de Corps en association avec la commune de Courlaure, sans oublier évidemment les manifestations sportives, le foot, la pétanque, le tir, la gym, etc. tout au long de l'année. Et en plus, je dois oublier, je m'en excuse tellement l'année a été riche, et tant mieux. Lorsque l'on dit qu'il n'y a rien sur Hautefort, je ne vous fais pas la liste, mais enfin voilà. Là, et l'attractivité de notre commune. Alors, le tissu économique de notre commune est très important. Un réseau artisanal existe, reconnu pour son savoir-faire et son professionnalisme. Les artisans du bâtiment ont métier de bouche. Aux différents commerces, ils peuvent être félicités et encouragés. C'est aussi pour Hautefort Saint-Agnan une belle image donnée. 2023 a vu plusieurs installations d'entreprises et nous les remercions de leur implantation. Mais avant de vous les présenter, je voulais saluer Mme Verguet qui a réouvert son tabac-presse dans la rue Bertrand de Bourg. Avec beaucoup de courage. Elle nous avait tellement manqué et toute notre sympathie envers elle. Alors, dans ces implantations nouvelles, je vais commencer. Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est un ordre comme ça
il n'y a pas d'ordre préférentiel. Donc je vais parler de la maintenance francilienne, c'est société parisienne de plomberie, chauffage, recherche de fuite tenue par une famille locale, la famille Chinaré, que je remercie d'avoir créé une agence à Saint-Agnan. Pleu les Anges, créé par Anaïs Alus, qui est l'ami de Thomas Belley, qui n'est pas venu ce soir, il a dû avoir un empêchement, il devait être là. C'est une agence de communication spécialisée dans les sites web et autres vecteurs. Nous, elle est là, conçue par Chloé Sartier. Alors merci Chloé d'être présente. Elle est où Chloé? Elle est où Chloé? Bonjour Chloé. Donc tu peux te lever si tu veux. Hein. Voilà, donc elle est bien connue pour notre commune, c'est ce que j'avais écrit. Mais bon, tout le monde le sait. Elle a créé une agence de community management. J'ai bien prononcé, oui. Merci. Les petits papiers de Lily, assistante administrative aux entreprises tenue par Aurélie Lacote. Elle est où? Elle est où, Aurélie? Aurélie, merci. Voilà. Donc ça, c'est de l'accompagnement administratif pour les entreprises. Hein. Voilà, si je ne me trompe pas. Mademoiselle Sybille Brédelet, qui est diététicienne et nutritionniste et diplômée d'État, donc qui s'est installée sur Roquefort. Il y a Diego de Choutette, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, qui est sophrologue à la maison de santé. Il y a, et je voulais aussi, en plus, signaler d'autres installations, telles que l'hôtel du Périgord Noir, donc, qui a rouvert ses portes grâce à un couple dynamique, et présent aussi ce soir, Claire et Laurent. Où est-ce qu'ils sont? Ben, vous pouvez vous lever si vous voulez, pour qu'on voit, ça va. Bon. Donc merci à vous de votre implication. Et alors c'est pas que hôtel, ça fait aussi restaurant. Et je vous le conseille, parce que c'est bon aussi. Voilà, donc merci de votre implication. Vous ouvrez au mois de en février. Pour la Saint-Valentin. Les saveurs de l'océan. C'est de fourniture de poissons, livraison à domicile de poissons frais. Les opticiens Lachal, je vais arriver à le dire, qui ont créé une succursale près d'Intermarché. Lachal, c'est les opticiens bien connus en Dordogne. Ils ont plusieurs magasins, bon, à Périgueux bien sûr, mais il y en a aussi à Saint-Thérier, il y en a sur toute la Dordogne, les magasins à Toll par exemple, tout ça. Et s'ils sont venus là, c'est qu'ils espèrent que ça fonctionne bien, et je crois que c'est le cas. Donc merci à eux d'avoir choisi Hautefort pour créer une antenne. Le bistrot du marché. Alors la famille Loubet, que je remercie pour sa présence, parce qu'ils avaient un choix douloureux à faire ce soir, mais ils sont venus à Hautefort, donc je les remercie très très sincèrement. Donc ils ont décidé d'installer dans les locaux d'Intermarché une brasserie, qui ne fonctionne pas si mal que ça d'ailleurs, qui est ouverte depuis un mois à peu près. D'accord. D'accord. Donc c'est une possibilité de plus qui nous est offerte, et merci à eux. Ensuite, ah ben voilà Madame Bourrat, elle tombe bien. À votre service, Alain Cavelier. Alors Alain Cavelier, on le connaît bien, puisque il a été quelque temps. Où est-ce qu'il est, Alain, où es-tu? Où es-tu, Alain? Il ne se montre pas. Ah bon, voilà, d'accord. Bon, Alain, que vous connaissez évidemment si vous êtes allé dans l'état du coucou, donc il a monté une entreprise de service à la personne. Donc tout ce qui est faisable, comme petit bricolage, petit entretien, voire au transport, etc. Voilà, donc Alain est à votre disposition. Et enfin, alors ça c'était 2023, mais ça c'est ce que je vais vous parler de 2024. Mais c'est important puisque ça va ouvrir très très certainement d'ici le 15 janvier. C'est le garage à Saint-Agnan. Alors vous savez que le garage Fort, pour pas le nommer, avait eu un repreneur qui a quitté ce local. Et depuis, il y a des nouveaux repreneurs qui sont arrivés et qui ont proposé à la famille Fort de racheter le local et de s'installer en tant que mécanique générale. Donc évidemment, ils étaient très contents, mais nous aussi d'ailleurs, de ça, parce qu'un garage de mécanique générale sur une commune, c'est quand même important. Donc on va avoir réouvrir ce garage, on va revoir des voitures devant le garage, on va revoir de l'animation autour, c'est formidable. Normalement, ils devraient ouvrir vers le 15 janvier, mais bon, tout ça c'est à préciser, mais vous aurez les précisions justement par nos réseaux
que sont et Panneau Pocket et Facebook, etc. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi signaler qu'il y avait une société de traduction de jeux vidéo qui s'est installée et qui a commencé à travailler sur Hautefort, mais ils n'ont pas totalement terminé leur implantation, donc ils attendent un petit peu. On vous en parlera un petit peu plus. Mais c'est quelque chose d'important, ils sont 7 ou 8, je crois, et qui se sont installés dans la région. Malheureusement, pas tous sur Hautefort, parce que nous n'avions pas les appartements ou maisons à proposer. Mais enfin, il travaille à Hautefort, je crois que... Et le dirigeant principal est de Tourterac, d'ailleurs. Et on le salue. Alors, il s'excuse de ne pas être là ce soir, parce qu'il aurait voulu, mais ils avaient quelque chose d'autre de prévu. Donc, nous espérons toujours d'autres projets en instance, qui nous espérons verront le jour en 2024. Et vous savez que tout est compliqué et tellement lourd à mettre en œuvre. Vous pouvez voir la dynamique de notre commune, en sachant que 300 personnes travaillent sur notre territoire. C'est quand même énorme. Ils n'habitent pas tous sur la commune, malheureusement, mais ils travaillent sur notre territoire. Nous félicitons tous ces entrepreneurs qui ont choisi Hautefort pour s'installer et nous leur souhaitons pleine réussite dans leur projet, bien sûr. Maintenant, 2024 est là, donc quelle sera l'activité? Nous souhaitons que le site de l'Hôtel Dieu soit plus vivant et dynamique. Nous avons la chance d'avoir, en son sein, l'Office de tourisme et notre musée d'histoire de la médecine, qui doit drainer plus de visiteurs. Mais les bâtiments, qui étaient une dépendance, le logis de l'enclos ainsi baptisé, sont vides et inutilisés. Le projet de toilette publique est bien avancé et devrait se concrétiser enfin en 2024. Ensuite, nous souhaitons que ces locaux actuellement inoccupés soient aménagés afin d'y créer d'autres activités. Pourquoi pas des associations, pourquoi pas d'entreprises, des locaux commerciaux, espaces culturels, etc. Nous allons rendre utiles tous ces mètres carrés. Je voulais féliciter Virginie, qui nous fait l'amitié d'être là aussi ce soir, notre herboriste qui anime à elle seule cet espace autour de l'Hôtel Dieu et de l'Office de tourisme. Pour l'instant, je dis, parce que j'espère que ça va être un peu plus animé. Un autre projet est en gestation, c'est l'aménagement du presbytère à Saint-Alian. Alors, ce bâtiment séculaire est aujourd'hui inoccupé, et il faut... On ne peut pas le louer en l'état, ce n'est pas possible. Donc le projet est d'y faire 3 logements. Donc il y aurait un logement, la maison de l'instituteur, on peut dire, puisque c'était la maison initiale, et dans les cas, se faire deux logements, T2. Voilà. Donc le dossier est en cours, ça devrait être finalisé, le dossier est finalisé, les travaux en 2025, j'espère que ça sera louable en 2025. Tout ceci, évidemment, ne pourra se faire que si les subventions sont là. Et ce sont des investissements importants, mais indispensables à notre vie locale. Ensuite, le label Villes et Villages Fleuris. En 2023, le jury régional a fait une visite de contrôle, parce que tous les 3 ans, il passe. Nous nous y étions préparés, car cette labellisation est importante en matière de visibilité et d'attractivité pour notre commune. Ces visites se font tous les 3 ans. Alors vous allez voir que là, ça faisait 4 ans. Il y avait l'année Covid, évidemment, qui a fait. Donc, en 2019, lors de leur dernière visite, notre labellisation de Hautefort avait été confirmée. Nous avons depuis réalisé plusieurs aménagements, comme le pont d'Hautefort, le chemin des sculptures, le parvis de l'Hôtel Dieu enherbé, l'Hôtel Dieu lui-même rénové, l'escalier, le passage des écoliers qui relie le parking des écoles à la rue Bertrand de Bord, le pied de la descente de la rue Artigues qui a été arboré, le jardin de Sèvres remis en état, et enfin l'entretien qui se fait au quotidien. L'an dernier, nous avons reprogrammé le concours des maisons fleuries sur notre commune. Ce sont 32 inscrits que nous avons visités avec notre jury, composé de Jean-Claude Saint-Jas et Albert Marie, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, de Bernard Desmaisons, que je salue amicalement, de Sylvette Faure et Albert Pomo, que je salue aussi amicalement, et moi-même. Nous remercions nos amis du pays d'Excideuil, qui s'excusent de venir, qui nous apportent leur soutien depuis de longues années. Je les salue pour leur fidélité et encore une petite pensée pour Marc. Effectivement, Marc Levaux faisait partie du jury, mais cette année, il n'est pas venu. La remise des prix aura lieu vers le printemps. Nous avons obtenu, de toute façon, le maintien de nos 2 fleurs. Nous avons à plusieurs reprises parlé de la marque Petite Cité de Caractère. À ce jour, seules 4 communes de Dordogne sont homologuées. On ne parle pas de labellisation, là, on parle de marque et d'homologation. Donc Brantôme, Excideuil, Saint-Olé et Saint-Cyprien. L'an dernier, je vous disais, nous avons déjà reçu l'éligibilité
ce qui est une première avancée. La deuxième étape est le dossier complet qui est assez lourd. C'est Philippines qui a déchargé. L'envoi doit se faire prochainement. Nous espérons un avis favorable de cette marque qui aura un impact touristique très important. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer que nous avons reçu l'homologation Petite Cité des Caractères pour 5 ans. Alors de suite, c'est un événement, on ne le mesure pas comme ça, à cette façon, c'est un événement parce que bon, Petite Cité des Caractères, c'est quelque chose qui est d'une visibilité très importante pour le côté touristique et en termes, j'espère, en termes de visite, etc., ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus suivi. Donc nous sommes la cinquième commune de Dordogne, ce qui n'est pas neutre. Nous sommes la seule commune à avoir été homologuée cette année 2023. Il y en avait deux autres qui étaient en labellisation, mais qui n'ont pas été prises cette année. Elles seront certainement prises l'année prochaine. Donc je voulais remercier les membres de l'association de nous avoir acceptés, mais aussi merci au travail réalisé au sein de notre commune pour présenter un dossier correct et recevable, car ce n'était pas fait d'avance. Merci à Philippine d'avoir réalisé ce travail. Merci au comité départemental du tourisme pour l'aide apportée grâce à sa directrice Marie-Pascale Reynaud et les membres de son service qui nous ont souvent soutenus et conseillés. Merci au conseil municipal qui a accepté de soutenir ce dossier. Merci aux villes voisines déjà homologuées, telles qu'Aix-Sideuil et Saint-Cyprien, qui ont appuyé notre candidature. Des panneaux d'entrée de nos bourses seront posés prochainement afin que ce nom prestigieux apparaisse et incite les touristes, les voyageurs et les promeneurs à venir visiter la cité de Hautefort. C'est comme ça qu'il va falloir que l'on dise maintenant. C'est un atout qui va permettre d'accroître la fréquentation touristique de nos sites et de nos bourses. Bon, ça ne bénéficiera pas qu'à Hautefort, et en premier, j'espère, mais toutes les communes autour en bénéficieront, j'en suis sûr. C'est une bonne nouvelle pour nos commerces, nos restaurants, nos sites touristiques, pour notre attractivité. Je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important. On peut continuer en relatant la journée du 23 septembre, au cours de laquelle nous avons eu l'honneur d'accueillir Monsieur le sous-préfet de Périgueux, Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental et son premier vice-président, président des maires de Dordogne, les conseillers départementaux du Haut-Périgord-Noir, le président de la communauté des communes et des maires du canton. Les différentes inaugurations ont permis de montrer le patrimoine de Hautefort avec le chemin des sculptures. Et je veux saluer Madame Claire Jury qui est parmi nous et qui est à l'origine de tout ça, vous l'avez bien compris. L'aménagement de notre bourg et les travaux sur l'Hôtel Dieu. L'apéritif déjeunatoire pris dans l'espace Yvonne Claire Jury et devant l'espace Yvonne Claire Jury était un moment de convivialité très agréable. Et 2024 verra plusieurs autres événements importants. Les 30 ans du musée de l'histoire de la médecine avaient 30 animations, 30, tout au long de l'année avec un programme danse concocté par Philippine avec l'aide de Caroline, mais aussi de Bernadette qui vous sera présentée sans tarder. L'inauguration de la nouvelle bibliothèque, là aussi c'est encore Caroline, agrandie, renouvelée avec une collection plus importante, des animations encore plus nombreuses avec l'accueil souriant de Caroline. J'insiste. La plaine des Jeux qui sera terminée au printemps, mais dont c'est déjà utilisable. Vous avez déjà pu le remarquer. Du monde y va d'ailleurs, jouer, l'utiliser, c'est formidable, tant mieux. Nous organiserons une journée d'inauguration avec plusieurs sports représentés à l'instar de notre journée du 13 mai dernier avec le village olympique qui a reçu un très beau succès. Une autre bonne nouvelle venant du milieu agricole, les jeunes agriculteurs sont venus me rencontrer pour proposer à la commune de Hautefort cette année de recevoir la grande fête agricole départementale, Terre en Fête. Alors c'est quelque chose de très important, il y a des milliers de personnes qui viennent à ces manifestations. Cela devrait se dérouler fin juillet. Une réunion va avoir lieu d'ailleurs le 23 janvier ici même, à laquelle seront conviées les associations, les intervenants divers sur notre commune et autour, enfin, qui soient concernés par cette grande fête. Retenez bien ces dates à Hautefort Saint-Agnan, les 27 et 28 juillet 2024. Et nous espérons, autour de l'Hôtel Dieu, des spectacles, des jeux, avec une autre formule, peut-être de projection sur l'édifice, une troisième édition de notre duo littéraire en octobre à la Charteuse, etc., etc. Et puis les animations traditionnelles que nous soutenons, bien entendu. Mais je vais m'arrêter là. Vous pouvez voir que le dynamisme de notre commune n'est pas usurpé. Continuons ainsi avec force et envie.
Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long, mais il y a tant à dire. Alors, je vais passer la parole à Madame Francine Roy pour le département. Nous étions au vœu hier soir au Lardin, et c'est vrai que la pauvre elle a souffert pas mal, parce qu'elle n'est pas en grande forme, mais elle nous fait quand même l'amitié et l'honneur de nous rendre visite, donc elle va malgré tout dire quelques mots. Allez. Merci monsieur le maire, merci pour ton invitation. Oui, je vais essayer, ça va pas mieux, mais bon. Voilà, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, donc je tiens à excuser tout d'abord Dominique Bousquet, qui est, bon, vous le savez, on a eu plusieurs vœux simultanés ce soir, voilà. Donc on fait au mieux, on n'a pas encore d'hélicoptère, bon, ça viendra peut-être, mais bon. Voilà, donc il va se joindre à nous après, mais voilà. Donc je dirais également deux mots au nom de la communauté de communes, puisqu'il m'a demandé de le faire, voilà. Alors, au niveau du département, donc je serai brève, je ne vais pas m'éterniser, simplement pour vous dire que, donc, je ne sais pas ce que tu as dit avant, mais je pense que je dois le deviner, qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités, c'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, et c'est aussi vrai pour le département. Donc, nous avons effectivement des charges qui ne cessent d'augmenter et des recettes qui ne cessent de diminuer. Donc, compte tenu de ce fait-là, ça va devenir très très compliqué. Donc, le département a trois compétences obligatoires aujourd'hui, qui sont ce que l'on appelle les solidarités, le collège et les routes. Alors, les solidarités, c'est quoi les solidarités? Ça regroupe plein de choses. C'est-à-dire, ben, vous savez, c'est l'APAR, donc pour les personnes âgées, donc c'est la PCH, pour les personnes handicapées, c'est le RSA, donc, qui, pour la première année, commence à diminuer, et c'est aussi l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, je viens de le dire, là, dans les vœux précédents, ça a fait un remous, donc je vais le redire ici, puisque, effectivement, je crois que c'est une information que pas beaucoup de gens connaissent, et je vais vous la donner. Donc tout simplement, alors pour vous dire que les solidarités, ça représente à peu près 40% du budget de fonctionnement du département. Le département a un budget de 743 millions d'euros, et donc les solidarités, c'est à peu près 300 millions d'euros. Voilà, donc c'est énorme déjà, et ça ne cesse d'augmenter. Et il y a un poste qui a cru de 10% depuis l'année dernière, c'est l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez 1700 enfants qui sont à la charge du département. Voilà. Donc, une augmentation de 10% depuis l'année dernière, c'est énorme. Donc voilà, bon, il y a un fait de société, sûrement, mais également donc, dans ces statistiques-là et dans ce nombre-là, il faut savoir qu'il y a ce que l'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont les enfants donc réfugiés politiques d'Europe, que les départements accueillent. Et c'est à la charge des départements. Alors, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment de la compétence des départements, ou est-ce que c'est pas plutôt de la compétence de l'État, ça me semble utile, mais bon. Voilà, alors, en tout cas, aujourd'hui, ça coûte quand même 80 millions d'euros, et il faut les sortir, il faut les payer. Voilà, donc c'est compliqué à une période où, au niveau des recettes, le budget du département était essentiellement, je veux dire, l'épargne qui nous permet ensuite d'investir, était essentiellement basé jusqu'à l'année dernière sur ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Les droits de mutation à titre onéreux, c'est quand vous allez chez votre notaire pour faire des transactions immobilières et qu'on vous prélève un pourcentage qui est reversé au département. Ces DMTO, suite à la Covid, tout le monde est venu habiter dans les milieux ruraux. Et donc ces DMTO ont explosé, tant mieux, ça nous a permis effectivement de sauver le budget l'année dernière. Et donc pour la première fois, on a eu 91 millions d'euros, alors qu'habituellement c'était aux alentours de 60. Et bien cette année, ben, bah, voilà, c'est retombé, on va retomber à 64 millions d'euros. Voilà, donc effectivement, ben, les transactions immobilières, ben, vous savez, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation, etc. qui fait que ça va devenir compliqué, et ça va être encore plus compliqué puisque le bâtiment va être très très impacté sur ce début d'année. Donc voilà, donc déjà au niveau du département, il va y avoir un problème là aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les moyens d'action du département sont limités dans la mesure où en plus, vous savez que le département ne prélève plus d'impôts, hein, la taxe foncière, donc il a été redonné donc, aux communes en compensation de la taxe d'habitation. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de levier, si vous voulez, au niveau du département. On est à la merci, je dirais, donc des décisions étatiques qui sont prises
Et ensuite, ben, voilà, il faut les exécuter. Donc ça va devenir, c'était déjà pas simple, mais je crois que ça va devenir encore plus compliqué. Voilà, je voulais vous dire deux mots sur Bénac, parce que bon, tout le monde parle de Bénac. Bénac, aujourd'hui on en est où? Bénac, ça a été donc, au mois de décembre 2019, donc la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné au département la démolition des ouvrages qui ont été construits. Donc, alors les chiffres, je ne vais pas vous les donner parce qu'ils sont controversés et on a une session lundi justement sur ce sujet. Bon, à ce jour, à ce que je crois savoir, à ce qu'on a toujours, nous a toujours dit, on avait construit pour à peu près 21 millions d'euros d'ouvrages construits. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait démolir ces 21 millions d'euros. Voilà, bon, c'est une gabegie que bon, personne ne peut supporter, je crois que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse. Face à ça, le département a proposé un aménagement donc, des quatre châteaux, donc, voilà, avec donc, notamment la remise en service d'une gare, des véloroutes vertes, tout un tas d'aménagements, mais qui ont un coût également. Voilà. Alors, et le département souhaiterait que l'on, pour réaliser cette nouvelle version, qu'on réutilise les anciennes, ce qui avait déjà été fait. Mais pour l'instant, la justice, elle n'en est pas là. Alors, voilà. Donc, on ne sait pas, à l'heure où je vous parle. Donc, on a une session extraordinaire lundi là, qui vient, pour débattre sur ce sujet. Voilà. Donc, on en saura plus ensuite et on pourra vous donner un peu plus d'éléments là-dessus. Voilà. Voilà les éléments que je voulais vous donner rapidement sur le département, parce que je crois que c'est quand même nécessaire. On entend des choses, on voit des choses, et je sais que souvent les gens ne sont pas informés. Donc c'est aussi notre but, les conseillers départementaux, de vous donner un minimum d'informations et un maximum quand on saura. Mais pour l'instant, on ne sait pas d'autres éléments sur les noms. Voilà pour le département. Alors, en ce qui concerne la communauté de communes, le président a axé effectivement sur deux axes, donc notamment qui est le premier, l'économie et ensuite les services à la population. Donc l'économie, et ben, malheureusement, je suis bien placée pour en parler parce que je suis la vice-présidente en charge de l'économie et malheureusement j'ai eu la chance d'être maire de l'Ardenne. Donc ce qui veut dire que 2023, ben, vous le savez, ça a été compliqué au niveau de la papeterie de Condat. Donc aujourd'hui, les 105 licenciés ont reçu donc, leurs lettres, ils ont passé un super Noël, et aujourd'hui, ben, il va falloir trouver des solutions. Donc des solutions, il y en a. Donc nous avons, l'État a mandaté donc cabinet Ernst & Young, pour pouvoir effectivement lancer le dispositif qui s'appelle le dispositif rebond industriel. Et donc ce cabinet fait, à l'échelle du Périgord noir, visite un certain nombre d'entreprises pour recenser les investissements potentiels qui pourront déboucher sur un certain nombre d'embauches potentielles. Donc aujourd'hui, il y a même des entreprises qui ont été visitées pour recenser 48 millions d'euros avec éventuellement 164 emplois potentiels. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a peut-être, qu'on les a déjà et qu'on va peut-être pouvoir les remplacer si tant est qu'effectivement il y a souvent des problèmes de mobilité, c'est pas forcément sur le Lardin et c'est à l'échelle du pays. Donc le pays, ça va jusqu'en dessous de ça là. Donc c'est vrai que, bon, voilà, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Il y a également donc le plan de redynamisation, pardon, donc qui est, donc, alors je ne vous ai pas donné la somme. Rebond industriel, l'État a mis 2 millions, la région a mis 1 million, et l'État lui-même, dans le cadre de son obligation réglementaire, et c'est un minima, a mis 1 million et demi. Donc on est à 4 millions et demi, et la communauté commune va abonder aussi dans le cadre de son fonds économie. Bon, je n'ose pas vous dire la somme, mais on a fait ce qu'on a pu. Pour nous, c'est énorme, c'est 50 000 euros. Voilà, mais voilà, c'est toujours amené un petit peu et contribuer. Voilà, donc dans le cadre de tous ces dispositifs, on essaye effectivement de retrouver de l'emploi, de créer, d'amener des entreprises, d'aider à développer les entreprises qui sont sur place. Voilà, donc d'ores et déjà, avant, et ça n'a aucun lien, bien évidemment, nous avions amené donc, des TRS sur Terrasson. Là, il va y avoir Mondial Relais, où il va y avoir dans un premier temps une trentaine d'emplois, et ensuite 70, et j'ai bien bon espoir qu'on puisse reclasser certaines personnes des papeteries de Condat. Nous sommes en train de faire une étude, parce que nous avons un contact sérieux sur dans le domaine de l'aéronautique, sur les sous-traitants au Lardin, donc qui s'appelle SBL tout simplement. Voilà, et donc nous sommes en lice et en concurrence avec une entreprise
entreprise, un site d'Albi. Donc j'espère qu'on va gagner, mais c'est pas sûr. Voilà, donc on fait tout pour. Donc à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas la réponse. On devrait l'avoir assez rapidement et qui permettrait de sauver notamment SVL. Voilà. Donc on travaille d'arrache-pied sur l'économie, parce que de toute façon, vous savez que c'est avec l'économie que on amène des gens, qu'on fait vivre nos territoires. S'il n'y a pas de travail, ça se meurt. Donc tout passe par là. Voilà. Ensuite, c'est les services à la population. Donc, qu'est-ce que fait la communauté de communes? Donc, on travaille notamment du service Habitat. Donc, elle a mis aujourd'hui un bandeau à hauteur de 250 000 euros sur l'habitat pour pouvoir effectivement aider à la rénovation des bâtiments, que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur, en plus donc effectivement des aides de l'État au travers de l'ADA. Mais donc tout ça est un dispositif qui s'appelle Périgord Rénov et qui est donc dans les locaux de la communauté de communes. Donc si vous avez donc des projets sur votre habitat, n'hésitez pas à appeler la communauté de communes. Nous avons un super service qui pourra vous aider dans ce sens. Ensuite, la communauté de communes, c'est également le service à la population. Donc c'est surtout, vous voyez partout, c'est le SIAS. Donc ce sont toutes les personnes, donc le portage des repas, les aides à domicile, c'est 105 000 heures d'aide à domicile. Donc c'est beaucoup, c'est 45 000 repas qui sont portés toute l'année. Donc vous savez, c'est des petites voitures. Vous voyez floquer département et communauté de communes, c'est toutes ces dames voilà, qui ont beaucoup œuvré pendant le Covid, hein, qu'on a salué et qu'on continue à saluer, qui font un travail formidable pour nos aînés, parce que sans elles, nos aînés ne pourraient pas rester chez eux. Voilà, donc ça c'est un service qui est, je dirais, qui est onéreux, qui coûte cher pour la communauté de communes, mais je pense que c'est un service tellement nécessaire dans nos ruralités. Donc ça aussi, c'est la communauté de communes. Ensuite, il y a tout ce qui est renforce et jeunesse, donc c'est-à-dire les centres de loisirs. Et alors ici, il y en a un qui a été ouvert à Batfol. Madame le maire, non, je ne la vois pas. Voilà, donc à Batfol, donc il y en a un à Tenon et il y en a un aussi à Terrasson, centre des Lestins. Tous ces centres de loisirs sont sous la gestion donc, de la communauté de communes. Voilà, donc souvent les gens ne savent pas trop si c'est la communauté de communes. Voilà. Donc je crois que c'est important aussi de le dire. Ensuite, c'est France Service. Donc France Service, je crois que... ici, il y a une maison France Service. Il y en a une à Tenon, il y en a une ici, il y en a une à Terrasson, et surtout, il y a un petit bus qui se promène un petit peu partout. On est en Dordogne à avoir eu ce bus itinérant France Service sur lequel vous pouvez aller et où les hôtesses sont charmantes et pourront effectivement vous dépatouiller sur tous les problèmes administratifs, que ce soit les impôts, la CAF, l'URSSAF, il y en a 9, je crois, et donc ils pourront effectivement vous aider en termes donc de mêlés administratifs, en tout cas, et c'est un service qui, je crois, aujourd'hui, est très très apprécié et qui va l'être, je pense, de plus en plus. Voilà. Je pense avoir rien oublié, le directeur est par là, si je me suis trompée, il va me houspiller. L'urbanisme, exact, oui, tout à fait. Voilà, oui, l'urbanisme. Voilà, alors l'urbanisme, oui, vous savez qu'on est en pleine élaboration du PLUI qui va être normalement voté en 2025. Vous avez tous entendu parler, malheureusement, d'un truc barbare qui s'appelle ZAN. Vous connaissez celui-là? ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est quelque chose qui est mortel, mortifère pour nos petites... réalité, hein, monsieur le maire, et tous les maires qui sont là le savent. Donc il va falloir réduire d'ici 2050 de 50% les surfaces construites sur la période 2011-2020. Autrement dit, aujourd'hui, vous pouvez très bien, messieurs, dames, avoir des surfaces qui sont dites constructibles et demain, ils ne le seront plus. Voilà. Donc ça va être très très compliqué, c'est imposé par l'État, hein, ça ne vous amuse pas franchement, je vous dis, c'est imposé par l'État, il faut effectivement, vous savez bien, c'est dans le cadre des mesures environnementales, et il faut effectivement essayer de réduire au maximum l'imperméabilisation des sols, il faut essayer de réduire au maximum effectivement les surfaces constructibles, sauf que quand vous avez construit beaucoup et qu'on vous prend 50%, par exemple dans les métropoles, si on prend 50% de 1000, c'est bon, on en reste un peu. Mais chez nous, on n'a déjà pas construit beaucoup sur la période 2011-2020. Et si on vous prend 50% de pas beaucoup, eh bien, je vous garantis qu'il ne va pas nous rester grand-chose. Voilà. Et là, les maires, on se bat, mais bon, voilà,
c'est très très compliqué. Et ça, ça va s'imposer à nous, effectivement, au travers du PLUI. Et on a un super service urbanisme à la communauté de communes. Alors, en dehors de ça, quand vous avez des problèmes, effectivement, de permis de construire, d'aménagement, etc., c'est la communauté de communes aujourd'hui qui instruit, sauf pour Terrasson, qui a son propre service instructeur, mais sinon, en dehors, c'est toutes les autres communes, c'est la communauté de communes qui fait le bon job, en tout cas. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, si ça vous a donné au moins un aperçu de ce que nous faisons, de ce que la communauté de communes le fait, et de ce que notre département pourra faire. Alors, il me reste à vous donner deux invitations. La première, pour la communauté, pour les vœux de la communauté de communes, qui auront lieu le 18 janvier au Lardin Saint-Lazare à 18h30. Vous êtes bien évidemment tous conviés. Et la deuxième, à mon nom personnel et au nom personnel de Dominique Bousquet, nous vous invitons le 31 janvier pour les vœux du canton du Haut-Périgord Nord, des conseillers départementaux, comme nous faisons depuis maintenant 8 ans, 9 ans, chaque année. C'est un moment, c'est le dernier jour, c'est les derniers vœux, et c'est surtout un moment d'échange et de convivialité, et nous serons ravis de pouvoir vous rencontrer et vous revoir pour la dernière fois. Ça sera à Tenon. Merci, monsieur le maire de Tenon, va nous accueillir avec plaisir et vous remercier de nous prêter sa parole. Voilà, merci. Je vous remercie. Je vous souhaite une, vraiment une très bonne année 2024. La santé, surtout. Ça va mal, le cancer, mais bon, ça va aller mieux. Ça pourra aller mieux. La santé, beaucoup de bonheur et de réussite dans une période qui va, à mon avis, être compliqué, il va y avoir quelques turbulences, et puis, bah, écoutez, il va falloir s'adapter, on a l'habitude, et puis on sera là en tout cas pour vous accompagner, et les conseillers des parents pour la communauté. Je vous remercie infiniment. Merci Francine. Le secteur a fait comme il faut, donc merci à elle de son implication. Donc, Dominique Bousquet n'est pas là, on va terminer. Merci pour ces interventions. Alors, si vous avez des questions à poser, on peut toujours faire le tour avec un micro s'il faut. Si vous avez des questions, vous levez la main. C'est la première qui est difficile. Bien, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Il m'avait coupé. Donc voilà. Donc est-ce que quelqu'un a une question? Personne? Mademoiselle. Bonsoir. Je voulais rectifier un petit oubli parce qu'il y a une autre entreprise qui a été créée là sur la commune. Et du coup, voilà, une entreprise de location de scène qu'on a nommée Mac au Seine d'Ordonne. Et du coup, on va chercher le poids lourd et la grande scène de 66 mètres carrés le 12 janvier. Donc voilà, l'immatriculation est effective depuis le 5 janvier. Donc voilà, c'est parti. Je l'ai. Donc oui, effectivement, c'est janvier, mais bon, dès qu'on aura l'information, on la publiera, bien sûr, comme on fait pour toutes, et au contraire, avec plaisir. Donc, puis bonne chance à vous aussi, vous pouvez réussir. On se voit mardi, je crois. C'est bon? Pas de questions? Une question? Alors, moi, puisque vous n'en avez pas, j'en ai une. Alors, j'en ai une, je vais vous expliquer un petit peu. C'est le fonctionnement de la poste. Arrête fort. Vous voyez, vous réagissez un petit peu. Je me suis insurgé. D'ailleurs, Sylvette a fermé la porte de mon bureau. Je ne parle pas trop fort quand même, il ne faut pas exagérer. Je ne me mets pas en colère comme ça. Je me suis insurgé. On a reçu un message vous indiquant que la poste était fermée pour plus d'une semaine. Alors, vous imaginez, alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je vais très rarement à la poste. C'est pas... Mais j'imagine les gens qui sont clients de la poste et qui ont besoin d'y aller pour retirer un peu d'argent. Comment ils vont faire? Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Donc, alors, je me suis insurgé parce que... Alors là, c'est un épisode particulier, mais il y en a plein d'autres tout au long de l'année. Donc, ils ferment le lundi, tout d'un coup, on reçoit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en personnel très tendu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le moyen de remplacer les gens. Donc, si jamais il y a une personne qui est ou malade ou absente pour des raisons qui la regardent, eh bien, ils n'ont pas les moyens de remplacer. Donc, ça pose un gros problème. Donc, j'ai téléphoné à la directrice à Terrasson
qui m'a répondu qu'elle y était pour rien. Enfin bon, voilà. Évidemment qu'elle y est pour rien parce qu'on ne lui donne pas le matériel qu'il faut. Donc voilà. Donc je me suis insurgé. Alors ils vont essayer malgré tout d'ouvrir un ou deux jours, mais c'est vraiment un problème récurrent. Et tous les. Pas toutes les semaines, je ne veux pas exagérer, mais tous les mois, on a des messages nous indiquant ah, mais la poste sera fermée tel jour ou tel jour. Donc c'est vraiment pénible. Et donc voilà, ça je voulais vous en parler. Et les horaires vont être modifiés, mais ça on était d'accord, on avait déjà accepté, pas complètement, mais enfin bon, c'est imposé, donc vous savez que c'est pas. Nous on n'a rien à voir avec la poste, hein, c'est un établissement complètement indépendant, mais qui nous loue les locaux et pas plus. Donc nous après on n'a aucune autorité dessus. Mais malgré tout, ils sont venus me voir, les responsables, pour modifier les horaires. Et ils avaient proposé de faire tout, ouvert tous les matins, de 9h à midi, du lundi au samedi, c'est-à-dire 6 jours sur 7. Alors j'avais apprécié effectivement la possibilité. On avait demandé un plus, parce que ça baissait malgré tout le nombre d'heures. Je crois qu'il y avait le lundi après-midi, il y avait 2 heures aussi en plus, je crois. Voilà. Mais il baissait malgré tout le nombre d'heures total d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on avait demandé que l'ouverture se fasse jusqu'à midi et demi. Vous comprenez bien pourquoi les gens qui travaillent, qui débauchent par exemple, qui sont sur la zone d'activité de la gare et qui montent et qui veulent monter au fort pour faire une opération, eh ben, midi, c'est fermé. Donc voilà, mais ça n'a pas été accepté. Donc je crois qu'il passe en commission le 19 janvier, je crois. Elle m'a dit, Madame Boutier, et ça va être mis en place au mois de février, je crois. Mais vous aurez les informations. En tout cas, nous, on vous informera. Parce qu'eux n'informent pas toujours. Voilà. Ça, c'est une petite remarque que je voulais faire. J'ai rien contre la poste, hein, je ne viens pas de tout. Mais c'est un service qui devrait être public. C'est vraiment pénible de subir ça. D'autant que si c'est fermé, les gens viennent à la mairie. Et râlent. Après nous, mais qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on ne fait rien, on n'a rien à faire, parce qu'on ne peut encore rien faire. Mais par contre, voilà. Donc j'espère que ça va être légèrement amélioré. Voilà la poste. D'autres questions, non? Il n'y a pas? Bon, et bien alors, c'est qu'on nous a tout dit. Mais on est à votre disposition de toute façon. Vous savez bien que vous pouvez venir à la mairie nous rencontrer, c'est avec plaisir. Avant de passer à nos agapes, je voulais remercier particulièrement Philippe Mousseau, qui est le maître d'œuvre de toutes nos manifestations, et en particulier de cette soirée. Alors vous avez vu la décoration, c'est lui. La mise en place, c'est lui. Le victoire, etc., c'est lui. Alors j'en ai marre de l'heure de voir. Tout a été fait par lui. Mais il est entouré quand même, il a une équipe autour de lui, et qui manage, et tout ça. Vous allez voir peut-être Chloé pour le management, le community management, il a peut-être besoin d'avoir un peu de communication, mais voilà. Mais enfin, je voulais vraiment le remercier, parce qu'il fait un travail absolument remarquable, et merci de l'avoir accueilli, parce que sincèrement, il le mérite, mais aussi à son équipe, parce qu'il a autour de lui des gens pour tenir, en particulier, qui vient de l'aider et qui répond à son appel. Donc merci pour ça. Je voulais juste vous dire un petit proverbe que j'ai trouvé agréable. Je recherche souvent des citations, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est un peu mon truc. Mais j'ai trouvé ce proverbe, j'ai trouvé qu'il était sympa. Hier est histoire, demain est mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Donc vivez. Riez et chantez, mais surtout, soyez heureux. Merci beaucoup et vive l'histoire cette année.